Nous sommes en live, donc tu me vois? Ça met un petit moment avant de démarrer, donc là normalement on n'y est pas encore. C'est bon le micro? Ah nickel. Donc bienvenue sur ce live. Donc le principe c'est on va essayer de voir comment reproduire cette console. Donc c'est une console qui a été faite par à l'origine en tout cas les jeux sont faits par Daniel Champagne. Donc son site web c'est tinyjoypad.com. Et le principe c'est de faire une console avec le minimum de composants possible qui soit. Et donc sur son site, il explique, il y a les schémas qui sont. Alors, c'est où le schéma? Attends, que je me perde pas. Ah. Est-ce que j'ai mis ce schéma? Dans tous les cas, c'est un schéma assez basique, mais à partir de cette idée-là, en fait, il y a d'autres personnes qui ont fait leur propre version, dont une qui est assez sympa. Donc là, voilà. Attendez, je vais me mettre en mode avec l'écran. Donc c'est cette version-là que j'aimerais bien copier, en fait. Donc le principe c'est il y a deux PCB qui font une espèce de sandwich. Je sais pas si on le voit ici. J'ai toutes les images. Donc les deux PCB font une espèce de sandwich, ce qui permet de faire un boîtier avec les PCB directement, donc les cartes électroniques. Et le processeur qui est ici un Atitini, ça c'est le microcontrôleur. Il est directement sur une espèce de petite carte qui a la forme d'une carte micro SD. Et donc on va interchanger le microcontrôleur pour changer de jeu en fait. Alors vu que ça utilise un Atitini, c'est des microcontrôleurs qui coûtent vraiment rien, donc c'est pas gênant d'en utiliser un pour chaque jeu en fait. Donc voilà un peu le principe. Je vais mettre un peu de musique. En fond. Et alors, Bobricius, celui qui a fait le design de cette console, il fournit les schémas pour chacune des parties. Et ces schémas, ils sont lisibles par Autodesk Eagle. Donc Eagle, c'est un logiciel pour faire des cartes électroniques. Et actuellement, Eagle est inclus dans Fusion 360, qui est un logiciel pour faire du CAD. C'est-à-dire, par exemple, si on veut faire un objet imprimé en 3D, on utilise Fusion 360. Alors, toute la difficulté ici, c'est que moi, je connais pas très bien Eagle. Donc, ça va être l'occasion un peu d'apprendre à l'utiliser. Bon, avant de faire ce live, j'ai quand même pensé à aller voir un peu. Si j'arrivais à exporter les schémas de façon à pouvoir les faire fabriquer. Mais j'ai un petit peu galéré. D'origine, en fait, j'utilise KiCad, qui est aussi un logiciel pour faire de conception de cartes électroniques, mais qui est open source et donc qui est plutôt bien fichu. Donc jusque-là, j'ai surtout utilisé ça. Donc à partir des fichiers qu'on a ici, comme vous pouvez voir en fait, il y a pour chaque carte, il y a deux fichiers en fait. Un c'est SCH, c'est pour les schémas, et un c'est BRD, où c'est vraiment le design de la carte en elle-même. Donc ce que j'ai fait, c'est dans Fusion 360. Attendez 2 secondes, voilà.
Dans Fusion 360, j'ai chargé tous ces fichiers. Et je les ai renommés pour m'y retrouver un peu mieux. Et donc ici, on a. Après, j'ai essayé de faire un export pour avoir une visualisation en 3D aussi. Donc on a trois fichiers par carte. Un pour la visualisation en 3D, un pour le PCB et un pour les schémas. Donc nous, vu que le but c'est juste de faire fabriquer le PCB, on a juste besoin de la vue PCB. Donc ça ressemble à ça. Donc alors sur Eagle, le mieux, si on a, c'est d'essayer de fermer max de choses qu'on n'a pas besoin, histoire d'avoir une bonne vue. Et ici, là, on voit la carte avec tout le routage, mais sur la partie avant et arrière. Donc c'est pour ça que c'est un peu fouillis. Donc ce qu'on va faire, c'est on va mettre juste le layer, le jeu de couche preset top. Alors là, ce qui, sur le coup, ce qui m'a paru un peu bizarre, c'est cette espèce de quadrillage. Et après avoir regardé sur le schéma, enfin sur la version toute faite, je pense qu'il a fait ça pour avoir ce petit côté grillagé ici. Et donc voilà. Alors le but c'est, à partir de ces fichiers, d'arriver à refabriquer cette console. Donc sur le papier ça peut paraître simple, mais... Alors le truc où j'ai un peu galéré avec Eagle, c'est justement pour exporter ce qu'on appelle le Gerber, qui sont les fichiers de fabrication. Mais avant de partir là-dessus, on va peut-être un peu regarder qu'est-ce qu'il y a sur cette carte. Je vais remettre standard. Sur Eagle, ici, on peut voir les composants. Enfin, voir, c'est un grand mot parce qu'on voit juste l'emplacement où ils seront. Donc, on va peut-être remettre que le top, le bottom, ou pour commencer. Donc, à l'arrière, qu'est-ce qu'on a? Donc, ici et ici, on a l'emplacement pour la pile. Donc, c'est une pile bouton. C'est des piles circulaires assez petites. Donc c'est pas une console qui consomme beaucoup d'électricité. On n'a pas besoin de plus que ça. Vu que ça coûte pas cher en plus, c'est pratique. Ici on a un emplacement pour une Atitini aussi, mais c'est juste si on veut pas utiliser de cartouche en fait. C'est pour le mettre directement. Donc ici on va rien mettre. Ici sur ces petites broches, c'est ici qu'on va programmer la console. Qu'est-ce qu'on a d'autre? À l'arrière, on n'a pas grand-chose, il me semble. Je vais regarder par rapport aux photos. Voilà. Je vais les mettre l'un côté de l'autre. Si j'y arrive. Alors, oui, à l'arrière, on a la pile surtout, en fait. Et les broches pour le programmer. Donc là-dessus, rien de surprenant. On va revenir dans Layer, jeu de couche, on a preset top pour voir le dessus. Et là, c'est plus compliqué parce qu'en fait, il n'y a pas des masses de photos de cette partie-là. Parce que là, on voit la partie avant, mais pas ce qu'il y a au-dessous. Alors en cherchant un peu quand même, j'ai réussi à trouver 2-3 photos. Donc là, on peut voir les boutons qui ressortent. Donc apparemment, c'est des boutons assez standards. Je crois que c'est du 5 mm, c'est écrit, je crois. Tactic Switch Tall. Malheureusement, sur le schéma, il y a écrit Tall, mais il précise pas la grandeur en soi. Donc, ça va pas forcément être simple à trouver. Le petit truc ici, c'est un haut-parleur. Ok.
qui est tout petit. Enfin, c'est un buzzer, hein, pas vraiment un haut-parleur. Ici. Alors ici, en fait, on a un lecteur de carte micro SD, parce que c'est ça qui va faire le contact entre les deux PCB, celui avec le processeur. Une photo sur la à tout début, là. Voilà, ici, on la voit bien. Donc c'est une manière assez ingénieuse de faire un contact entre les deux cartes, parce que du coup, ça utilise le système de la carte SD. Par contre, ouais, sur ces, c'est pas la version définitive ici, parce qu'on peut voir que là où il y a le switch, il y a un bouton avant. Ici, le switch on-off. Alors, il est un peu bizarre, son switch on-off, parce qu'il a 6 pattes au lieu de 3. Alors, généralement, sur les switch on-off, on a une broche pour faire... qui est en contact avec la batterie, une qui est en contact avec ce qu'on veut alimenter. Et on a 3 broches parce que selon la manière dont on veut que ce soit allumé ou éteint, enfin la position qu'on veut, on va les relier différemment en fait. Et donc on a nos 4 boutons pour déplacement ici, le bouton d'action. On a ici un module d'écran OLED, donc c'est ça qui va afficher l'image. Et je crois qu'on a fait plus ou moins le tour. Bon, il y a des condensateurs, des résistances. Il y a un transistor pour le buzzer, je pense que c'est pour... soit éviter que ça sonne trop fort, soit éviter que ça sonne trop doucement. J'ai pas vraiment... Dans le design original, il n'y en a pas. Alors, il y a des résistances au niveau des boutons. C'est parce que sur la Titini, il n'y a pas assez de broches pour brancher tous les boutons, en fait. Donc, en utilisant des résistances, on peut réussir à brancher 2 boutons sur une broche, en fait. Grâce à ça. Si je retrouve le schéma sur le site. Le voilà. On voit à peu près comment ça marche. Alors dans la version d'origine, il a utilisé un joystick, qu'apparemment c'est mieux, mais bon, j'ai surtout envie d'essayer de reproduire ce design là, parce que je le trouve vachement sympa. Donc on va se contenter des boutons. Bon alors après pour les jeux, il n'y a pas des jeux de folie, mais c'est Daniel a fait un gros boulot... pour essayer de reproduire des jeux d'arcade ou qu'il y avait sur la NES. Donc on a un Arkanoid, un Pac-Man, un Space Invader. Alors il y a quelqu'un qui a porté, il a fait un jeu de plateforme, et il l'a porté dessus. Ici c'est un mini jeu de plateforme. Bon le voilà. Ok, sympa quand même, mine de rien pour... C'est assez dingue parce que franchement, Titini, c'est vraiment pas un gros microcontrôleur, donc je pensais vraiment pas qu'on pourrait faire des jeux avec. Sachant que c'est codé en Arduino, mine de rien. Un flipper. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Un Tetris. Un jeu de hockey. Dig Dug. Missile Command. Et un Morpion. Donc c'est pas la meilleure console du monde, mais à mon avis il y a moyen de le faire pour pas trop cher, à la différence d'une console qu'on aurait fait avec un Raspberry Pi ou... Bon évidemment là on pourrait jouer à des émulateurs, donc c'est pas la même gamme de produits, on va dire. Et donc voilà. Est-ce que j'ai oublié un composant? Donc micro SD... La pile, l'emplacement du moins, ça c'est les trous pour mettre les vis. Ici c'est pour brancher le module de l'écran. Ici c'est un condensateur pour le découplage.
Et l'emplacement pour la Titini qui sera pas utilisé. À côté de ça, on a la partie haute, mais sur la partie haute, il n'y a absolument rien de branché en fait. C'est vraiment purement esthétique. Et le plus important, la carte avec le microcontrôleur. Donc là aussi, hein, c'est relativement simple. C'est l'emplacement pour le microcontrôleur, un condensateur de découplage. Et après, en bas, on a les broches comme il y aurait sur une carte micro SD. Alors, c'est bien qu'on ait ça, mais alors comment est-ce qu'on va les exporter pour les faire fabriquer ces PCB? Alors, sur KiCad, l'avantage, c'est que par défaut, tout est configuré correctement pour l'envoyer sur JLC PCB, le fabricant que je vais, avec lequel je vais passer pour faire ces cartes. Sur Eagle, c'est plus compliqué. Donc déjà, faut. Alors moi, pour vu que je, d'autant plus avec Eagle, donc je connais pas les touches, mais c'est un truc qui marche aussi sur Fusion. Quand on appuie sur S, on peut taper ce qu'on cherche en fait. Et donc nous, ce qu'on veut, c'est CAM Export, donc CAM Processor. Donc ça, c'est ce qui va nous faire passer de ce schéma du PCB à un fichier qui permet la fabrication du PCB. Donc là, on voit les différentes couches. Donc là, par exemple, pour la carte, ça c'est la couche avant de cuivre, la couche arrière, le découpage de la carte, solder masque, c'est masque de soudure avant à l'arrière et la sérigraphie et pour finir le drill, le perçage. Donc ça c'est la façon dont il le fait le Gerber Eagle. Nous ce qu'on veut c'est le faire différemment. Enfin, le faire pour GLC PCB, donc on va utiliser le standard qu'il utilise. Alors pour ça, je suis tombé sur un fichier sur quelqu'un qui avait fait un fichier qui était pré-programmé pour ça. Tout ce que je vais documenter, je vais le mettre sur un partage sur Google Drive. Donc hop, je le mets sur dans le chat. Donc ici, il y a tous les fichiers et tous les liens que je vais montrer en fait. Et donc, si je dis pas de bêtises, je l'ai mis ici. Non. Je vais partager le fichier. Donc c'est jscpcb.cam. Alors malheureusement, ça fait pas exactement ce que je veux. Mais je vais modifier. Parce qu'en fait, il me l'exporte dans les dossiers auxquels j'ai choisi. Donc ici, ce que je veux, c'est qu'il me fasse un dossier Gerber et qu'il me copie toutes les parties dans ce dossier. Donc ça marche nickel. Mais il y a toujours un fichier qui ne me copie pas au bon endroit. Et j'ai beau regarder dans la configuration, je vois pas pourquoi il fait ça. Mais bon, après, on peut modifier ça à la main, mais bon, faudrait que je trouve la raison. Alors, nous, on veut l'exporter en fichier zip. On fait process job. Et je vais copier ça ici. Et donc, à la fin, j'ai un fichier zip avec tous ces fichiers. Il a cette tête-là. Et donc ici c'est les Gerber et le fichier de perçage en fait. Et là il me l'a bien fait. Ah mais ça doit être parce que c'est un truc que j'avais déjà fait ça. Ouais voilà. Sauf que là le problème c'est qu'il veut absolument pour un des fichiers me le mettre dans un dossier avec mon nom, Uretro, Gerber et ici au lieu de me le mettre correctement. Donc je vais le déplacer à la main.
Dans tous les cas, là, dans le dossier que j'ai partagé, il y a les trois PCB tout prêts en fait en point zip. Après, ouais, c'est, j'ai pas ce problème-là avec KiCad, donc. Alors, on peut importer un projet qui a été fait sur Eagle sur KiCad, mais vu que je connais pas bien la carte, j'ai un peu peur que peut-être il y ait quelque chose qui qu'on perde des informations. Donc j'ai resté sur le format d'origine. Et donc ouais, c'est ce Gerber job qui me met au mauvais endroit. Donc si je le remets dans le dossier Gerber, c'est bon. Donc ça fait quelques étapes en plus par rapport à dans KiCad. À la limite, je peux vous montrer vite fait dans KiCad. Comment ça marcherait. Donc ici j'ai importé le projet. Donc c'est importer projet EagleCAD. Et après on va dans le fichier Eagle et on l'importe. Et à la fin on a ça. Et donc moi quand je veux exporter le Gerber dans KiCad, j'ai juste à faire tracer et mettre un répertoire de sortie pour pas qu'il me copie tout au même endroit. Je vais tracer. Je vais couper son Windows. Et ouais, je mets le répertoire de sortie Gerber. Et après, en faisant tracer, créer fichier de perçage, là c'est fini. J'ai plus qu'à le mettre dans un dossier, à l'archiver dans un fichier zip et c'est bon. Donc ça fait une petite étape en plus sur Eagle. Après peut-être je m'y prends pas bien hein, parce que c'est je découvre un peu Eagle pour le moment donc je me suis dit que c'était une bonne occasion justement pour apprendre un peu comment ça fonctionne. Au moins pour exporter. Parce que c'est assez intéressant de maîtriser Eagle parce que en fait il y a beaucoup de designs qui sont open source en vrai de PCB. Par exemple si vous cherchez sur Adafruit, on prendra un au pif, ce n'est pas le cas de tous. Et par exemple si je prends cette carte, je vais dans le tuto. Ici, là, il y a les fichiers Eagle en fait. Donc on peut reproduire cette carte. Chat qui... Majorité des trucs. Donc ouais, il y a cette carte-là en fait. Par exemple, j'en ai pris une vraiment au pif. On a tous les schémas ici, format Eagle. Donc là, on voit pas les noms. Mais pareil, BRD et SCH. Donc à partir de ça, on peut, si on est motivé, reproduire la carte. Donc là pour le moment j'ai mes Gerber. Bon, ça m'a beaucoup aidé de le faire en avance. Je sais pas si ça vaut le coup que je vous remontre pour chaque. Je vous expliquer vite fait. C'est CAM pré-processor. Ça doit être dans manufacturing CAM processor, en toute logique. Il faut ouvrir un fichier CAM GLC PCB. En fait ce que ça fait c'est que ça met tout au format. Je sais pas si on le voit, Gerber RS274X qui est apparemment le standard qui fonctionne. Donc une fois qu'on a ces Gerber, reste plus qu'à aller sur GLC PCB et à commander les PCB. Où est-ce que je les ai mis? Les voilà. Donc, code now. Il y a juste un truc que je suis pas sûr, c'est sur le thickness. La
c'est en français thickness. L'épaisseur, ouais, tout simplement. Ce que je suis pas sûr, c'est sur l'épaisseur. Pour la carte, je suis sûr que c'est 0,8 parce qu'il le précise. J'imagine que pour les deux PCB en sandwich, c'est 1,6 qui est par défaut. Donc celui-là. Où est-ce que je les avais mis? Attends, je vais récupérer pour être sûr d'avoir les bons. J'ai exporté quelques fois parce que je cherchais pourquoi ça marchait pas. Donc, du coup, j'ai 50 versions, je sais plus laquelle est la bonne. Voilà. Donc là, vraiment, c'est littéralement glisser, déplacer, console. Et donc là, on a notre carte du bas. Alors, il y a beaucoup d'options sur GLC PCB ou sur tous les fabricants, hein, mais en gros, ce qui a de l'importance, bon, les dimensions, elles sont automatiquement ajustées par rapport au fichier. On a l'épaisseur, la couleur, le finish. Alors c'est pour les connecteurs en fait. Donc de base, c'est des connecteurs en plomb avec du plomb dans le cuivre. Il y en a, on peut avoir une version sans cuivre et je pense que Enig HS, c'est les connecteurs dorés, mais voilà, ça gonfle le prix énormément. Donc, vu que là on est on fait des tests, on va prendre le moins cher possible. Évidemment, ça sera pas aussi joli. Alors, pour la couleur, si on reste sur le vert, ça augmente pas le temps de livraison. Sur les autres couleurs, ça augmente le temps de livraison. Donc, là pour la première version, je pense qu'on va rester sur le vert. Donc on fait save to cart. Ouais, vu que j'avais déjà fait, il y a déjà des trucs dans mon panier. Tout virer. Et on fait ajouter un add a new item. Parce que nous on veut commander plusieurs PCB. Alors ce qui coûte assez cher. Dans la fabrication de PCB, c'est la livraison. Donc idéalement, c'est bien d'avoir plusieurs, de grouper les commandes en fait. Donc par défaut, la quantité elle est de 5. On peut pas commander à l'unité, ce sera pas rentable hein, vu le prix pour 5. Autant en faire 5. Donc on a le bas et le dessus et il nous reste la carte. Et là, on va mettre PCB thickness à 0,8 parce qu'on veut que ce soit de l'épaisseur d'une carte micro SD en fait. Là, je me suis trompé de fichier. On recommence. C'est bien carne. Regardez, il est pas bon. Bon, on va alors exporter le card. Alors, hop, CAM processor. On va un fichier CAM, GLC-PCB. On l'exporte. Est-ce que j'ai mis ça? Live.
On ouvre le dossier. Là, je récupère ce fichier-là. J'efface ce dossier qui me sert à rien. Et le fichier, je le remets là. Et on va essayer de réimporter la carte. Voilà, c'est mieux. Alors un autre truc qu'il a pas fait, c'est on peut voir que dans la doc, il y a plusieurs designs de cartes et il en a mis que celui de Space Invader, qui a pas mis les autres. Donc pour le moment, de toute façon, on va s'en contenter d'une de cartes, histoire de commencer. Déjà vérifier que ça marche. Avant de s'enflammer. Bon, le vert, c'est un peu tristouné, mais bon, on va s'en contenter pour commencer. Donc, avec 5 exemplaires de ces 3 cartes, on en arrive à 8,84 euros, sans compter les frais de port. Alors, on va aller voir ce que ça donne avec les frais de port, mais je vous montre pas mon adresse avant. Donc voilà, ouais, normalement, on devrait pas voir mon adresse. J'ai vérifié quand même avant. Après là c'est le côté frustrant parce que les frais de port ça va nous coûter 16 euros pour payer 8 euros de carte. Mais bon, ça c'est donc ça vaut le coup de faire des grosses commandes quoi. Donc en gros on en arrive à 5,12 divisé par 5, 5 euros par pour une carte et les deux PCB. Alors il y a quelque chose qui a changé sur les livraisons de PCB, c'est là en ce moment ils mettent livraison express avec les frais de douane prépayés. Perso la dernière fois que j'ai commandé en DHL Express standard, j'ai pas eu de frais de douane. Donc on va tenter le coup. Alors évidemment, là j'essaye de commander de façon à le recevoir assez vite, mais si on commande avec en livraison lente, on arrive à, on peut les frais de port ils sont de 5 euros. Donc moi j'ai envie de faire de tester en fait comment commander cette console. De façon à le recevoir assez vite pour commencer. Et après, on pourra diminuer les coûts en n'étant pas pressé de recevoir les composants, en fait. C'est ça l'idée. Donc les PCB, c'est bien, mais il faut les composants qu'il y a dessus, quoi. Il n'y a pas que... Et ça, c'est assez compliqué, parce qu'on n'a pas d'infos sur quels sont exactement les composants. Donc il faut éviter de se planter là-dessus, parce que sinon, si ça rentre pas exactement sur la carte, ben, on est... pas très bon. Donc il va nous falloir savoir la hauteur exacte, enfin exacte, une hauteur correcte pour les boutons. Il nous faut alors d'habitude quand on commande un PCB vu que on va prototyper le PCB avant. On a les composants. Donc à partir du moment où on a les composants, ce qu'on peut faire, c'est imprimer les images de la carte. Donc ici, hop, par exemple, voilà, je vais prendre la partie du bas. Donc ici, en fait, on a les emplacements pour les composants. Et l'idée, c'est de placer, de regarder si les composants... Hop.
il rentre bien. Comme ça, après, on peut ajuster le schéma ou changer de composant ici. Non, parce que le but, c'est pas de modifier les schémas, c'est de faire que ça marche avec ces schémas-là. Donc, j'ai commencé à chercher un peu tous ces composants et j'ai fait ce qu'on appelle un BOM. Donc, BOM, c'est pour Bills of Material. Donc, on va aller sur la doc que j'ai commencé à faire. Et donc, j'ai une page achat des composants. Vous pouvez retrouver cette doc. Je l'ai mis dans le dossier partagé que j'ai mis dans le. Je vais mettre dans la description d'ailleurs. Si j'arrive à modifier la description sans tout casser. Je le remettrai dans la description à la fin du live, hein. Tous les cas. Je vais toujours le remettre dans le chat au cas où, ça intéresse quelqu'un. Il y a la doc que j'ai mis. Alors, le logiciel que j'utilise, enfin, ce qu'on parlait de logiciel, l'application web que j'utilise pour faire la doc, c'est celle du LabSud. Et la façon la plus efficace pour exporter la doc, c'est en fichier HTML. Donc, c'est pas forcément. Parce que l'export de PDF, il est pas terrible parce qu'il fait beaucoup d'espace pour rien en fait. Donc, de toute façon, pour faire une documentation papier, il faut. Penser les choses par rapport à la taille des pages quoi, donc c'est difficile d'avoir un résultat correct direct, mais en format HTML c'est pas mal. Donc d'ailleurs, parlant de prototype, j'en ai fait un qui est très moche mais fonctionnel. Alors hop, on va le sortir. Donc, le but c'était de vérifier que ça marche, hein, avant. Donc ça a cette tête là. J'ai pas de retour d'écran. Voilà. Attendez, je vais mettre en plein écran. Voilà. Donc voilà le fameux jeu de plateforme. J'essaie d'y jouer à l'envers. Bon, c'est pas la console du siècle, mais... Après, ça... le petit affichage OLED donne vraiment son petit charme au truc. Alors là, le jeu il est ralenti parce que je l'ai pas programmé à la bonne fréquence. Donc c'est en 8 MHz au lieu de 16 MHz. Donc voilà un peu l'idée. Alors évidemment, il y a plusieurs façons de la faire cette console. Celle-là, c'est pas forcément la moins chère parce qu'il y a les deux PCB et les cartes. Mais les autres versions ont le défaut qu'il faut la reprogrammer à chaque fois qu'on va changer de jeu. Et je trouvais ça intéressant en fait que le micro-contrôleur soit à part. Parce que comme ça, on peut la partie autre que le micro-contrôleur pour faire d'autres choses. Par exemple, on pourrait faire une carte où il y aurait un capteur du moment que c'est des capteurs en I2C. Donc ça, c'est I2C, c'est un protocole qui permet de communiquer entre un microcontrôleur et des composants. Donc c'est ce qui est utilisé par l'écran OLED. Et l'avantage de l'I2C, c'est qu'on peut brancher plusieurs composants I2C sur les mêmes broches. Donc on n'a pas besoin de plus de broches. Comme vous pouvez voir sur la Titini, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sachant qu'il y en a deux qui sont utilisés pour l'alimentation. Ça nous en fait pas des masses. Quand on peut voir le schéma de la cartouche. Donc c'est vraiment la Titini et un condensateur. Et les broches pour le connecter. Ici on peut voir le schéma du reste. Donc on a l'interrupteur. L'emplacement pour la pile, l'emplacement pour le module écran. Donc le module écran, c'est un truc comme ça. Alors ces modules écran, ils ont un défaut qui est pas négligeable. Enfin, c'est pas en soi un défaut,
Mais les broches GND et VCC, selon où vous les achetez, le VCC et le GND seront inversés. Donc ça, c'est gênant parce que en fait, c'est selon le modèle que vous achetez, le plus et le moins peut être inversé. Donc en gros, vous faites un court-circuit. Et d'ailleurs, sur son design d'origine, c'est VCC, GND. Ce qu'on voit ici, ouais, VCC, GND, SCK, SDL, SDA. La plupart des écrans, c'est le GND, VCC en fait. Donc c'est inversé. Mais bon, on va essayer de trouver un écran qui soit dans le bon sens. Alors, donc j'ai déjà commencé à chercher un peu les composants. L'idéal, ça serait de commander tout au même endroit pour éviter les frais de port. Mais c'est pas si évident que ça. Donc il me manquait un truc dans la liste que j'avais pas remarqué, c'est l'emplacement pour la carte micro SD. On va rajouter ça dans le tableau. Alors les tableaux c'est bien, mais c'est pas pratique pour les imprimer en fait. On a tendance à avoir des colonnes qui disparaissent. Mais bon, on va faire avec. Donc lecteur micro SD. C'est pas vraiment le terme, mais. Ah. Donc la liste de tout ce qu'on a besoin. En cherchant, j'ai à peu près trouvé tout ce que j'avais besoin. C'est sur le site tme.eu. Donc c'est un site qu'on m'avait conseillé pour commander des composants sans avoir trop à attendre. Donc évidemment, ça en fait quelques-uns. Donc, alors pour l'interrupteur, je suis pas sûr que c'est exactement au bon format celui-là, parce que c'est pas évident de voir la taille des choses. Qu'on a suffi de voir là, en fait, si. Alors, qu'est-ce qu'on a? La Titini 85 20SF. Donc 20SF, c'est pour le format. Alors tous les composants, je vais les souder. Avec le four à refusion du lab. Donc le principe du four à refusion, c'est on applique une pâte pour souder les composants. Et après on met ça dans un four qui va souder les composants. Donc ça permet d'aller assez vite. Par contre, il va pas falloir que j'oublie, si je veux faire ça, de prendre les stencils qui sont des... J'en ai un ici. Donc, stencils, c'est des trucs comme ça. Hop. Métallisés. Et en fait, il y a des petits trous pour laisser passer la pâte à souder. Et ça permet de souder. De mettre la pâte à souder que aux endroits où on en a besoin, en fait. Parce que sinon, c'est pas évident à placer correctement. Là en soi, c'est pas des composants extrêmement compliqués à souder, donc on pourrait les souder à la main, mais bon. Si je dis pas de bêtises, il n'y a rien de. Peut-être avoir pour. Lecteur micro SD, est-ce que ça va? Ouais, c'est pas trop c'est pas trop compliqué à souder ça non plus. Bon après c'est pas non plus, il y a d'autres versions qui utilisent plus des composants. Alors il y a deux types de composants, c'est des composants THT et SMD. THT, c'est des composants où on a des trous.
et on va les souder à travers ces trous. Et SMD, c'est les composants qu'on va souder en surface. Donc l'avantage des composants soudés en surface, c'est justement qu'on peut utiliser le fourreau fusion pour les souder comme ça. Et ça permet d'avoir des composants qui prennent beaucoup moins de place, mais qui du coup sont pas forcément plus simples à souder. Après, si on passe par un fourreau fusion, au final, c'est très simple. C'est peut-être le plus simple, si on a l'équipement adéquat. Donc on va revenir sur Fusion là pour vraiment vérifier que j'oublie rien. Donc console bottom. Donc là la Titini, on va rien mettre dessus. Condensateur 805. Ici les quatre broches, mais ça du coup il y a l'écran, si c'est là on le programme. Donc ça c'est l'interrupteur on off. Alors pour celui-là j'ai un peu peur que, est-ce que c'est la bonne taille, parce que je sais comment faire une règle dans rouleur. D'ailleurs, Eagle, autant Fusion 360 a été traduit en français, mais c'est pas le cas de la partie de Eagle. Alors, comment est-ce qu'on mesure quelque chose sur ce logiciel? Peut-être dans l'inspecteur, peut-être. Ah, je suis bête, je suis de sélectionner le truc. On peut dire peut-être taille. Après, ce qui serait plus intelligent, ça serait de commander les composants en premier. Et une fois que je les ai reçus, vérifier sur le papier si c'est les bons. Quitte à modifier le design pour ça, mais bon. Là, on a les résistances. Cet interrupteur, c'est celui que je doute le plus sur la taille. Pour la Titini, c'est bien écrit ici, je crois. Où est-ce que j'avais vu? C'était bien ce format-là. Je crois que si on zoome, on voit que c'est. Récupérer l'image. C'est celle-là. Ah, c'est ça. Donc on voit pas des masses, mais on distingue quand même le 20 SF. Bon, en même temps, il n'y en a pas 50 milliards de formats non plus. Donc ça a l'air d'être ça. Faudrait que je revérifie quand même. Je suis surpris qu'il n'ait pas mis un peu plus de détails sur les composants. Bon, après, c'est vrai que c'est relativement simple. C'est dans les logs, je crois qu'il y a plus de détails. Bon, il a pas mal fait des alternatives. D'ailleurs, il a sorti un peu une autre version en fait de console. Par contre, celle-là, elle utilise un SAMD51. Donc ça, c'est un processeur
enfin, c'est un microcontrôleur ARM Cortex. Du coup, ça va coûter beaucoup plus cher, mais l'avantage, c'est que c'est compatible avec un système pour faire des jeux. Montrer ça vite fait. Un système Scratch pour faire des jeux. Alors Scratch, c'est le truc avec les systèmes avec les blocs. Est-ce qu'il a mis ça? Ah là voilà. Après c'est pas, à mon avis c'est pas le même prix pour le faire fabriquer ça. Mais c'est intéressant parce qu'on peut faire les jeux sur arcade.mekot.com. Donc ça c'est un projet fait par Microsoft, mais je pense qu'il doit y avoir un petit peu Adafruit derrière, du moins c'est comme ça que j'en ai entendu parler. Et donc ce qui est marrant, c'est qu'on peut faire le jeu avec ce système de blocs, le tester directement sur l'ordi, et après le transférer sur notre microcontrôleur. Mais bon, ça coûte un peu plus cher. On va revenir sur le U-Rétro pour le moment. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5 boutons, interrupteur. L'emplacement de pile. Le buzzer. On voit que furtivement ici. Le buzzer. Bien, ça 0805. On en a un sur la carte. Non, sur la carte, c'est un 603. Donc on a nos 5 boutons, le support de pile, condensateur 805, qui visiblement est pas le même. Je pensais que c'était le même sur les deux. Mais là on a 805. Et sur la carte, on a 603. Ok, donc on va rajouter ça. Donc c'est mine de rien, faire la liste des composants, c'est pas la partie la plus marrante parce que ça prend du temps et si on peut passer des plombes sur un site pour commander tous les composants et se rendre compte qu'il en manque un et que finalement il faudrait commander ailleurs. Donc c'est cool d'avoir. L'idée c'est de vous épargner un peu cette étape si vous voulez refaire cette console et de voir un peu comment. On se débrouille à faire ça. Ah, c'est pas la même taille, je suis bête. C'est bien le même, mais pas de la même taille. Attends. Est-ce que je m'en mêle les pinceaux? Alors, 603. Condensateur. Cent nanofarad.
Ouais, 805 et 603, ça correspond à la taille. Donc, on a les condensateurs. Qu'est-ce qui nous manque? Résistance. Finalement, peut-être se tromper. On revient sur la console. Ça qu'on a 2 de 22 kilo-ohms, 1 de 10 kilo-ohms, 2 de 33, 2 de 88. Le buzzer, placement de ma carte SD, il ne reste plus qu'à trouver l'emplacement de la carte SD et on devrait être bon. Alors, micro SD. Alors, est-ce qu'on va trouver ça? Nanana. Évidemment, c'est un peu vague. Connecteur de transmission de données, ça doit être là-dedans. Alors, évidemment, il y a 50 milliards de designs différents. Il va falloir trouver celui qui correspond. Et vu qu'on le voit pas, ici du moins, trouver la photo où on le voit. Espérant qu'entre-temps il n'a pas changé la taille. Elle a quelques-uns, mine de rien. Il ressemble pas mal. Il n'y a pas besoin non plus que ce soit exactement le même. Il faut juste que les connecteurs soient au bon endroit et que ce soit de la bonne taille. Ah, les connecteurs ont l'air d'être centrés, non? Ah non, ils sont là. Non, non, j'ai des bêtises, ils sont là. Ça m'a pas l'air mal. Il faut aussi regarder les prix, histoire de ne pas avoir un truc. Bon, ça tourne autour des 1 euro.
On va dire que celui-là, ça a l'air d'être pas mal. Un connecteur pour carte micro SD, plus exact. J'ai commencé déjà à faire une liste sur le site. Le buzzer. Pourquoi j'avais décrété que c'était celui-là de transistor? Je vais le voir sur Eagle. Ah bah ouais, voilà, dans la valeur. 57. Alors les boutons, il fallait bien faire attention. Il y en a quelques-uns qui ne seront pas dispo. Faire attention à la hauteur des boutons. Neuf point cinq millimètres. Ça me semble beaucoup, non? Alors ironiquement, c'est pas forcément le plus simple à trouver les boutons parce qu'il y en a un paquet de différents. Nous, on veut un qui soit soudé en surface. À part ça, c'est assez classique comme bouton. À part qu'il est un peu plus long que... Comment je pourrais vérifier ça? Ce plan 3D des deux parties. Mais ce qui importe le plus, c'est quel type de vis sont mis. Donc là j'ai les plans du bas et les plans du haut. Ouais, ça demanderait réflexion.
Alors. C'est pas évident de bien de voir de premier coup d'œil l'échelle des choses. Surtout que je sais pas quoi que ce soit pour mesurer. Donc là dans l'état. Pour le moment, les deux gros doutes que j'ai, c'est pour l'interrupteur. Je vais les mettre comme ça. Et pour le connecteur. Non, pour le connecteur de la carte. Ouais, faut que je vérifie quand même. Le buzzer, c'est pas forcément la bonne taille. Pour la résistance condensateur, on est sûr. Le support de pile. Il est où? Et voilà. Première vue, ça a l'air bon. Finit par vite se perdre. Pas grand-chose. Oui, donc. Je cherchais une image de l'arrière. Donc si on regarde le connecteur de pile, ah, j'ai pas la photo de l'arrière. Faire un petit copier-coller. Ça a l'air d'aller. Sur des sites comme celui où je vais commander les composants, autant on trouve des composants seuls, mais pour les modules, par contre, c'est pas là-bas qu'on va les trouver. Donc il y a plusieurs possibilités pour trouver des modules tout faits, pas trop cher. Soit de passer par AliExpress si on n'est vraiment pas pressé. Ou Banggood ou eBay, hein, ça revient au même. Mais on sait jamais quand est-ce qu'on va les recevoir. Il faut super faire gaffe au GND VCC. Là par exemple, là cet écran-là, ça serait pas bon parce que le plus et le moins est inversé. Et ça, alors ça donne envie de se faire soi-même l'écran. Parce qu'en plus c'est pas grand-chose en soi.
un écran OLED. Si on, là, on voit pas l'arrière. Mais il y a juste besoin de l'écran et de quelques résistances et condensateurs et on a ça. Le problème, c'est qu'il faut souder l'écran et c'est des espèces de nappes. Et c'est moyennement rassurant à souder. Ouais, j'aurais espéré qu'il... Ah, tiens, celui-là, il est dans le bon sens. Qu'il ait utilisé un design avec le GND et le VCC. Bon, après, je pourrais l'inverser aussi, si j'avais pas la flemme. Hein, l'idée, c'est... Enfin, au-delà d'avoir la flemme, l'idée, c'est vraiment de garder le même design. Pas commencer à faire 50 designs différents. C'est assez dingue quand même qu'il y ait une telle différence. Enfin, qu'il y en ait qui aient inversé le truc. D'autres pas. Ça, c'est quand même bien la blague. Donc là, celui-là, il serait beau. Garde quand même le lien, même si pour le moment, c'est plus. C'est plus une liste pour commander les composants de façon qu'ils arrivent assez vite. Donc sinon là, je passe par AZ Delivery sur Amazon, il livre assez vite, mais après le prix est pas le même, quoi. Enfin bon, pour ces composants-là, je vais les vérifier par moi-même. S'il faudrait que je me prenne de quoi mesurer, peut-être que... essayer peut-être un peu de... souris gueule... de passer les fichiers qui là, sont actuellement la souris gueule... dans Fusion pour rajouter les composants dessus pour vérifier. Donc en gros, faisons un petit récapitulatif de ce qu'on a fait. Alors d'origine, nous ce qu'on avait, c'était cette page de projet sur Hackaday, avec en cherchant un petit peu ici sur GitHub les fichiers Eagle. Donc dans ces fichiers Eagle, on a la console, qui est un sandwich de PCB. Donc on a top et RTM. Donc ces fichiers-là, moi je les ai importés dans Autodesk Fusion, en faisant charger, en glissant les fichiers. Je les ai renommés. À la fin, on a deux fichiers. Pour chaque partie, donc un avec le PCB et un avec les schémas qui sont très utiles pour voir où est branché quoi. Mais là, dans l'état, tout ce qui nous intéresse, c'est ces PCB. Alors souvent les gens quand ils fournissent le design de leur PCB, ils font eux-mêmes les gerbères, comme ça au moins il n'y a pas besoin de le faire.
Donc pour exporter en, le Gerber, pour pouvoir le fabriquer, faut aller dans CAM Processor. Et il faut utiliser un réglage spécifique pour que ce soit en Gerber RS274X. Et à partir de là, on se retrouve avec un fichier zip. Mais bon, toute cette partie-là, au final, si vous en fichez, je mettrai un lien que je rajouterai dans la description avec les fichiers déjà prêts. Donc en gros, à la fin, on a trois zip, fichiers zip. On les balance dans GLCPCB. En n'oubliant pas pour la carte avec le processeur de mettre l'épaisseur thickness à 0,8. Parce que c'est écrit sur la page Akeday. C'est où ça? Ici. Alors lui, pour faire la console, il est passé par trois services différents. C'est ça qui lui a permis d'avoir pour chacun, chaque truc, ils ont un peu leur, chacun a un peu leur design à eux. Dont OSH Park, qui est un fabricant américain qui est réputé pour sa couleur un peu violette. Mais bon, c'est pas gratos de commander chez eux, surtout si on n'est pas aux États-Unis. Alors ils ont aussi un truc, c'est After Dark, qui est pas mal prisé, parce qu'en fait ça met en valeur les cirques, enfin les routes. PCBio, je connaissais pas. Enfin bon. Moi je passe par GLC-PCB parce que je connais bien et que c'est pas cher, surtout. Bon après il y en a d'autres comme PCBWay aussi. Ils sont pas mal. Alors le truc aussi là, c'est sur ma commande. Ah. J'avais pas pris en compte ce que j'aimerais, c'est comme je disais, c'était d'utiliser un four pour faire les soudures. Et pour ça, faut pas oublier, chose que j'ai pas fait, de mettre le stencil ici. Sympa que ouais c'est ouf. Je me demande à quel point ça coûte son prix. Bon après une fois qu'on a le stencil, on n'a plus besoin, on en a besoin que d'un seul. Après il y en a qui le font eux-mêmes, mais c'est pas évident parce qu'il faut être vraiment précis. Donc il y en a qui font ça à la découpe laser. C'est un petit côté un peu overkill pour ce qu'on fait. Quoique. C'est le stencil là, écoute. Ah ouais, sauf que j'ai pas mis. Alors, quand on commande des stencils, faut faire super gaffe. Parce que j'avais commandé la dimension la plus petite, et la dimension la plus petite, c'est quand même 29 cm par 19. Sachant que notre carte fait 28 mm par 56, c'est pas très utile. Faut vraiment mettre customize size. Faut que je sois quand même légèrement plus grand. La carte elle-même, on va dire 30 par 60. Parce que à la taille d'origine, ouais, ça fait quand même un sacré truc. En soi, je sais pas si ça coûte moins cher. Ça coûtera moins cher sur la livraison, ça c'est sûr. Ah, ça a son prix quand même, celle-ci là. Fait 6 euros de plus.
Ça se réfléchit. Donc une fois qu'on a commandé les PCB, après il faut commander les composants. Donc si on a des trucs un peu en format de module comme l'écran, on peut les trouver sur AliExpress, mais ça prend du temps, ou alors sur d'autres sites, des fois sur Amazon. Après il y en a qui vendent ces composants, enfin des versions un peu plus classe, genre Adafruit, tout ça. Mais bon, déjà ils sont pas de la bonne forme, parce que là pour cet écran, en tout cas sur cette console, il a utilisé ces écrans-là qui sont assez standards. Quand on achète des écrans OLED pas trop chers. Et après, tout est dans l'art de ne pas se planter dans les composants. Donc après aussi, pour les quantités, généralement, on ne peut pas commander à l'unité les choses. Ça dépend. Pour les condensateurs et les résistances, il y a souvent une limitation. Il y en a 10 ou 100. Ce qu'ils vendent des ça encore en bobine. Donc là, ce qui m'embêtait un peu sur les tarifs, sur les composants, c'était que le buzzer, au final, j'ai pas réussi à en trouver un qui soit dans cette petite forme qui coûte pas trop cher. Parce que là, on se retrouve avec 5 buzzers qui vont nous coûter plus cher que les 5 microcontrôleurs, quoi. Enfin, à peu près le même prix, quoi. Sachant que en soi, sur la console, le buzzer c'est sympa, mais en vrai, je sais pas si c'est pas mieux de pas avoir le son, parce que c'est quand même assez vite casse-pied à force. Donc c'est vraiment un buzzer, donc ça fait juste des bips. Parce que bon. Dans la liste, j'ai pas rajouté histoire de se faire une idée du prix. Le connecteur, le voilà. Ah, il nous faudra 5. Dans le connecteur de la carte SD, il va aussi coûter son prix. Hein. Les frais de port, on arrive à combien? Ouais, c'est inclus. Donc 50 euros. Pour les PCB, c'était...
25 euros, mais si on prend le 66, ça fait 6 euros de plus. Et j'avais dit pour les composants. D'arriver grosso modo à 15 euros par console. Ce qui est pas si mal, sachant qu'on pourra diminuer ultérieurement le prix. Parce qu'on n'aura pas besoin de recommander le stencil. Pour les résistances et les condensateurs aussi, on ne sera pas obligé de les recommander à chaque fois. Vu que mon objectif c'est d'arriver à faire une console dans les moins de 20 euros, hein, parce que bon, ça reste quand même un gadget, on est pas mal. Bon, je crois que je vais peut-être en rester là. Après, je vais essayer de mettre dans la description de cette vidéo tous les liens vers les fichiers, tout ça que j'ai fait pendant ce live. Et après, je vais essayer de régler encore un petit peu les détails, vérifier pour les boutons, tout ça de mon côté. Et après, une fois que j'aurai commandé les composants, j'essaierai de... Il n'y aura plus qu'à essayer tout ça. Et à la fin, en fait, l'objectif, c'est... Je vais le mettre en plein écran. L'objectif, c'est vraiment d'essayer de faire une documentation pour arriver à reproduire facilement cette console. Je pense qu'au niveau des tarifs, c'est intéressant de pouvoir mutualiser un peu tout ça. Donc l'idée à la fin, c'est vraiment d'avoir une documentation pour faire ça au sein d'un Fab Lab, par exemple. Ça permet d'avoir des consoles pour pas trop cher. Et ça peut être un projet sympa pour apprendre à souder des composants SMD avec un four à refusion. Ou à la main si on est motivé. Voilà, qu'est-ce que j'avais d'autre? Ah ouais, j'avais fait... Je l'ai mis dans le drive. Il y a la documentation que j'avais commencé à faire dessus. Avec la liste des liens vers les différents modèles qu'on peut voir sur le site de Tiny Joypad. Export en PDF est pas terrible, hein. Ici ça a pas bien marché. Avec les schémas, les listes des composants, mais les plus à jour du coup. Bah, de toute façon, dans tous les cas, faites pas confiance à tout ça. L'idée c'est qu'une fois que j'ai tout commandé, après je vais finir la documentation comme il faut. Parce que pour le moment, il n'y a pas encore tout. Pour programmer cette console, évidemment, il n'y a pas d'entrée USB, donc il faut avoir un petit programmeur comme ceci, l'USB ASP. Après on peut utiliser un autre Arduino pour programmer, mais celui-là est quand même vachement plus simple. Et j'avais commencé à bosser sur un logiciel pour programmer les jeux en appuyant sur un seul bouton. J'avais mis le code source sur Gist.
Mais franchement, c'est vraiment. J'ai fait un truc vraiment basique, hein. C'est juste la commande sur AVR Dude. D'ailleurs, ça doit pas marcher parce que j'ai mis des images dans le truc. Mais c'était l'idée, ouais, de d'automatiser la programmation, ouais, dans l'idéal. Enfin voilà, je crois que j'ai fait à peu près le tour de la partie en électronique, partir d'un schéma sur Eagle pour avoir des fichiers pour le fabriquer. Et après, après pour chercher les composants, de regarder sur le schéma tous les composants. Idéalement, c'est bien soit d'avoir des photos, soit encore mieux d'avoir les schémas avec les plans en 3D, avec les composants. Montrer ça par exemple. Parce que ça va être quand même vachement à s'y retrouver. Encore mieux d'avoir une liste des composants pour avec exactement où les acheter. Mais bon, selon les pays, ça c'est pas forcément les mêmes endroits. Selon la vitesse qu'on veut aussi les recevoir. Parce que là, par exemple, là c'est un schéma que j'ai fait moi sur KiCad. Et l'avantage, c'est que sur la vue en 3D, j'ai récupéré les gabarits des composants, donc on peut voir facilement la taille que ça va prendre, à quoi il ressemble. Bon, après, c'est le fait que le PCB soit un peu en sandwich qui fait que du coup il y a une partie qui est cachée, donc c'est pas simple à. Vu qu'il n'a pas vraiment fait de photos de chaque. Des deux PCB quand ils sont pas vissés. Enfin voilà. Du coup, je referai. Ah, alors, ouais, c'est. J'utilise OBS Studio, ouais. Là, j'ai utilisé une carte son externe pour le micro. Et pour la caméra, c'est une GoPro avec. C'est un. C'est un truc que y a pas mal de gens utilisent maintenant. C'est une espèce de carte pour convertir du HDMI en USB. Enfin, c'est carte d'acquisition. Il y en a qui coûtent cher, mais en ce moment, il y en a sur eBay qui traînent à 20 euros et ça fait le travail. Du coup, bah, voilà. Je crois que je vais arrêter le live là. Bah, j'espère que ça aura pu vous être utile. Je me suis pas trop emmêlé les pinceaux. Bah, je referai un live pour quand j'aurai commandé les composants et je verrai si je me suis trompé ou pas et je vous montrerai ça. Ouais, j'ai pas utilisé une webcam, mais après j'aurais pu, hein. C'est vrai que je me suis pris la tête. Mais bon, ouais, c'est pas mal. Après, la difficulté avec la GoPro que j'ai, c'est faut pas l'alimenter. Je l'alimente en USB, mais pas directement sur un port USB parce que sinon il me met en mode lecture USB et il lance pas la caméra. Ouais, c'est super. Du coup, bah on se revoit pour une prochaine fois. Allez, ciao!